Bernoulli. Bref, j'ai rempilé avec l'équipe de la Pitou Team pour une saison 2. Maintenant, le nom du collectif, c'est MMM, Merveilleux Mathématiciens et Mathématiciennes. Donc là, je dois choisir un nom de maths célèbre pour en faire une vidéo. Il me fallait une idée sérieuse, une idée décalée, il me fallait un nom. J'ai réfléchi, j'ai été sur Google Scholar, j'ai été sur Wikipédia, j'ai été sur Quant Junior, j'ai été sur Facebook. Je me suis dit, il me faut un bon. Ouais, il me faut un bon là. En fait, il me fallait surtout quelqu'un. J'ai eu l'idée de Ramanujan, mais il était déjà pris. Déjà pris. J'ai eu l'idée de Galois, mais il était déjà pris. Déjà pris. J'ai eu l'idée de Hilbert, mais il était déjà pris. Déjà pris. J'ai eu l'idée de Pythagore. Bon, ok, stop Pythagore. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que j'étais une vraie nouille de ne pas trouver. Nouille. Alors j'ai pensé à Bernoulli. J'étais content. J'aime bien Bernoulli parce qu'il a un nom rigolo déjà. On dit Bernoulli, pas Bernoulli. Parce que Bernoulli n'est pas une nouille. Ça non, c'est pas une nouille. C'est même une pointure. Les physiciens parleraient sûrement de sa contribution en mécanique des fluides avec la loi de Bernoulli. Mais moi, mon truc, c'est les maths. Jacques Bernoulli, déjà, c'est un gros boulot en théorie des probabilités. La loi faible des grands nombres, c'est lui. L'épreuve de Bernoulli, c'est lui. La loi de Bernoulli associée à le schéma de Bernoulli, la répétition identique et indépendante d'épreuves de Bernoulli, c'est lui. Le terme calcul intégral, c'est encore lui. Il a beaucoup fait avancer le calcul infinitésimal. Il a aussi marqué le domaine de l'analyse avec ses travaux sur les séries. Bon après, c'est loin d'être tout. Décalage de Bernoulli, équation différentielle de Bernoulli, lemniscate de Bernoulli, polynôme de Bernoulli, nombre de Bernoulli, processus de Bernoulli, théorème de Bernoulli. Non, ça n'est définitivement pas une nouille. Mais j'aime bien Bernoulli aussi pour sa famille. Une famille formidable. Une famille suisse d'origine belge. Jacques a l'esprit vif dès son plus jeune âge. Alors son père l'autorise à faire des études universitaires. Philo, maths, physique, astronomie, tout ça tout ça. Les sciences, c'est son truc. Hérésie dans cette famille de riches commerçants d'épices. Mais il finira par retrouver grâce auprès de son paternel qui lui financera un voyage à travers l'Europe. J'y reviendrai. Ok, il est vif, mais ça n'est visiblement pas le seul de la famille. Au moins 9 d'entre eux ont laissé leur nom dans un domaine scientifique. Bon, à la base, il y a 4 frères. Jacques, donc, mon MMM, Nicolas, Jean et Géronimo. Mais sérieux, Géronimo? Je vous avais prévenu, une famille incroyable. Pas trop d'infos sur Nicolas, mais Jean fait aussi des maths et de la physique. Les deux enfants de Jacques ne firent pas de sciences, fait exceptionnel dans la famille, vous allez vite comprendre. Son frère Nicolas a eu un fils, Nicolas 1, mathématicien donc. Chez Bernoulli, il y a quand même un paquet de Jean et de Nicolas. Jean, le troisième frère, a eu 4 enfants, dont Nicolas 2, encore un matheux, et Daniel, qu'on appellera Daniel 1er. Je suis sûr que vous savez déjà pourquoi. Daniel s'illustre comme médecin, le mouton noir quoi. Mais une sommité dans son domaine. Un grand nom chez les Bernoulli. Et puis il reviendra aux maths et à la physique sur la fin de sa vie, alors on lui pardonne son pas de côté. Un dernier enfant pour Jean, Jean 2, encore un matheux. Ce Jean 2 a eu 5 enfants, dont Jean 3, l'aîné, et Jacques, le cadet, tous deux branchés maths. Une famille incroyable, je vous dis. Beaucoup d'apports aux mathématiques. Donc Jacques, c'est pas le seul mathématicien de la famille. Avec son frère Jean, c'est une véritable émulation, compétition stimulante. Ça va lui permettre de faire aboutir pas mal de projets. Des projets nés pendant ses voyages. Bah oui, je vous l'ai dit, Bernoulli a beaucoup voyagé en Europe au début de sa vie. Il y a rencontré un paquet de gens brillants de l'époque. Descartes, Hude, Leibniz. Il a noué des liens, rempli son carnet d'adresses. Après quoi, il revient au pays. Il enseigne à l'université de Bâle jusqu'à sa mort. Et en parallèle, il travaille aussi beaucoup pour développer de nombreux domaines de recherche. Le calcul infinitésimal initié par Leibniz par exemple. Il planche sur beaucoup de concepts. Avec qui? Avec son frérot, Jean, bien sûr. Bah oui, la famille, c'est sacré. J'aime bien Jacques Bernoulli. Et je suis pas le seul. Il est largement passé à la postérité. Une société pour la statistique mathématique et les probabilités a été créée en son honneur. C'est la Bernoulli Society. Un astéroïde de la ceinture principale entre Mars et Jupiter porte son nom. Tout comme plusieurs cratères lunaires. Niveau postérité, ça va. Et vous saviez que Jean Bernoulli est l'ancêtre direct des lauréats français du prix Nobel de physique, Pierre Curie et Pierre-Gilles de Gennes. Bon, après, toujours pas de lien trouvé entre les Bernoulli et Francesco Bernoulli, la voiture de Cars 2. Tout le monde aime Bernoulli? Peut-être pas le graveur, qui s'est occupé de sa pierre tombale. Bernoulli avait un amour sans borne pour la spirale logarithmique.
tant de beauté dans ses propriétés d'invariance. Il avait demandé à ce qu'on en grave une sur sa pierre tombale, avec les mots « Elle renaît, changée en elle-même ». Bon, le graveur s'est planté de spirale. Celle d'Archimède, c'est pas mal non plus. Bref, j'ai choisi Bernoulli. Bernoulli. Ah,